Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous quotidien des deuxièmes trophées de l'édition 2020. Aujourd'hui, nous allons révéler le dixième trophée de l'édition 2020. Les droits étrangers et, plus globalement, le rayonnement de la culture française sont des piliers importants pour l'écosystème du livre. C'est pourquoi nous avons décidé de créer une nouvelle catégorie, celle du succès international. Gallimard Jeunesse remporte ce trophée du succès international pour La Passe Miroir de Christelle Dabos. Son roman jeunesse a été traduit dans plus de 20 langues, y compris aux États-Unis et en Angleterre, et édité par les maisons les plus prestigieuses dans le monde. Découvrons le lauréat en images. Alors nous sommes particulièrement fiers de remporter aujourd'hui le trophée du succès international grâce à Christelle Dabos, qui est l'auteur de La Passe Miroir, une tétralogie de plus de 2000 pages. Christelle Dabos est née en 1980. Elle se destinait à devenir bibliothécaire quand, malheureusement, elle a été touchée par la maladie. L'écriture, à ce moment-là, est devenue sa seconde nature. La publication de La Passe Miroir est une belle histoire. Christelle Dabos n'était pas pressée de rechercher un éditeur. Elle a décidé d'envoyer à la dernière minute son manuscrit au premier concours du premier roman organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Elle remporte ce concours. Depuis, c'est un véritable phénomène littéraire. La Passe Miroir fait mentir toutes les tendances à propos des cessions de droits et des droits étrangers. Après d'ailleurs des enchères dans certains pays, La Passe Miroir est traduite dans plus de 20 langues. Je voudrais évidemment remercier, bien entendu, tous les éditeurs étrangers qui nous ont fait confiance, sans oublier les instituts français qui ont été à l'initiative de certaines aides à la traduction. Je voudrais enfin remercier tous les membres de la chaîne du livre, puis merci à toute la communauté de lecteurs française et internationale. La Passe Miroir de Christelle Dabos chez Gallimard mérite plus qu'amplement ce trophée. D'abord, c'est une série dont tout le monde s'accorde à reconnaître la qualité littéraire indéniable. Et puis, elle bénéficie, pour ne rien gâcher, de très jolies couvertures. Là, ce qui est remarquable, c'est qu'elle s'inscrit sur le segment de la fantasy et elle se destine à un public principalement adolescent, même si elle est lisible par des adultes du fait de sa grande qualité. Et donc ces deux segments-là sont habituellement trustés par des grandes pointures anglo-saxonnes. Or, La Passe Miroir a réussi à se vendre dans plus de 20 langues, y compris aux États-Unis. Voilà, donc elle mérite vraiment le trophée du succès international. Je suis ravi que le BIEF soit une nouvelle fois associé à la remise du succès à l'international pour ces trophées de l'édition. C'est aussi l'occasion pour moi d'avoir une pensée pour cette maison d'édition Gallimard Jeunesse, dirigée par Edwige Pasquet, mais surtout pour les responsables de droit, et en l'occurrence Anne Bouteloup, qui a eu un rôle absolument prépondérant dans la réussite de cette saga à l'international, et aujourd'hui Sota Nucci qui a repris le flambeau. Les responsables de droit qui sont véritablement les agents des auteurs français. Les responsables de droit avec lesquels nous travaillons toute l'année, évidemment cette année dans un format tout à fait original à cause de la crise sanitaire. On travaille avec des webinaires, on travaille avec des catalogues numériques interactifs, mais j'espère qu'on sera rapidement toutes et tous un peu partout dans le monde pour rencontrer nos partenaires. Voilà pour le gagnant du trophée du succès international. Demain dans la quotidienne, Anne-Laure Walter vous présentera à 11h le trophée de l'adaptation du livre. Merci de nous avoir suivis et très très belle journée.